Voilà, donc bonjour à tout le monde, pour ceux qui vont me regarder en replay. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer un rituel pour cette éclipse solaire, cette nouvelle lune qui arrive demain, enfin, l'éclipse solaire qui a lieu demain à 9h, à 9h17. Ça va ouvrir un grand, grand portail énergétique qui va nous permettre de faire vraiment de très, très grosses libérations. Donc, je n'ai pas l'habitude de faire beaucoup de rituels et notamment, j'ai envie de dire, en les enregistrant. Mais je trouvais que là, c'était vraiment, vraiment important parce que je sens qu'il y a des choses extrêmement lourdes en ce moment. Et je voulais aider ma communauté à se libérer d'un maximum de poids pour retrouver cette connexion, retrouver de la légèreté pour pouvoir être guidée, prendre les meilleures décisions, aller de l'avant, etc., etc. Donc, ce que je vous propose, bon, vous allez pouvoir faire les choses en même temps que vous regardez cette vidéo, mais vous allez pouvoir les refaire après. Pendant plusieurs jours après cette éclipse. Et puis, vous allez pouvoir l'utiliser aussi en rituel pour d'autres demandes, d'autres pleines lunes, etc., etc. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à faire un autel. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment moi, je procède. Hop. Alors, mon autel, il est là. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est mettre toujours les quatre éléments. Donc les quatre éléments, c'est la terre. Donc ça, vous pouvez le représenter. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir. Hop, voilà, avec une plante. Vous pouvez également, moi c'est ce que je fais, rajouter des pierres. Donc moi je mets toujours au centre, enfin sur mon autel. Je mets toujours ma géode de citrine, qui est la pierre de l'abondance. Et puis là, bah, j'ai rajouté de l'améthyste, du cristal de roche. Voilà. Laissez-vous inspirer sur les pierres que vous voulez apporter, que vous voulez mettre, placer un petit peu en fonction de leurs propriétés et de ce que vous avez envie de libérer, ce que vous ressentez que vous avez besoin de libérer ici et maintenant. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, on va mettre l'élément feu. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore allumé parce que avant tout rituel, il faut purifier votre bougie. Vous pouvez mettre votre bougie sur un lit de sel, de gros sel, pareil, pour la purification. Vous pouvez également y rajouter du miel pour la douceur et l'abondance. Okay, vous pouvez prendre une. Voilà, un doigt, mettez un doigt dans votre pot de miel et puis vous venez badigeonner votre bougie. Là, pour des raisons pratiques, je le fais pas. Un verre d'eau, évidemment, pour l'élément eau. Et puis, de l'encens qu'on va allumer ensuite pour l'élément air. Voilà, donc on va prendre. Alors, moi, par exemple, j'y place toujours au centre de mon rituel mes baguettes magiques. Ce sont des baguettes que je charge pour ensuite faire des soins, etc. Donc, on va allumer notre sauge. Ça peut être de la sauge ou du palo santo, peu importe. Et on va venir purifier notre autel et surtout notre bougie, puisqu'on va écrire. On va écrire une demande, on va écrire comme une prière de libération qu'on va ensuite remettre au feu, mais il faut que le feu soit évidemment purifié. Voilà. Il est assez dense mon bâton, donc du coup, on a un peu de temps à s'allumer. Hop là, je vais me coincer. Attendez, je vais chercher une allumette, ça ira mieux. Où est-ce que je les ai mis, les allumettes? Badabada,
Je cherche mes allumettes. Voilà. Hop. Je reviens. Ça ira mieux parce qu'avec le briquet, finalement, je me brûle. Hop. Prévoyez aussi toujours un petit récipient lorsque vous brûlez quelque chose pour le mettre à l'intérieur. Donc, je vous invite à tourner, voilà, autour de votre autel dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour on va dire, le nettoyage, pour enlever, voilà, toutes les énergies en présence. On va venir faire la même chose au niveau de notre bougie. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour énergiser, voilà, et ramener des bonnes énergies tout simplement. Voilà. Vous pouvez laisser votre seau au milieu. Je l'ai fait un petit peu quand même. Et puis, on va allumer notre bougie. Et ensuite, allumer avec notre bougie notre bâton d'encens pour donc l'élément air. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre, eh bien, un papier et un crayon. Je vais vous faire noter, hop, la petite phrase de libération qu'on va utiliser aujourd'hui dans ce rituel. Alors, moi je l'ai déjà écrite sur mon petit papier, j'aurais plus qu'à la brûler après. Donc le moment est venu pour moi de me libérer de ce que je ne veux plus. Donc je vous laisse noter, écrire. Je le remets avec gratitude au feu purificateur. Tout mon être divin et humain est de plus en plus conscient. Tout mon être divin et humain est de plus en plus conscient. Est prêt à accueillir le renouveau avec confiance. J'ai conscience qu'à partir de maintenant, l'amour guide mes pas à chaque instant. Merci à ma part supérieure, divinement divine. Merci à la meilleure version de moi. Merci l'univers, la source, en moi et autour de moi. Donc, une fois que vous avez écrit cette phrase-là, hop, je vais vous inviter à vous asseoir en tailleur. À vous mettre une main sur votre cœur. Et vous allez redire cette phrase à haute voix. Voilà, mettez-vous bien dans votre paix intérieure. Prenez des grandes inspirations. Le moment est venu pour moi de libérer, de me libérer de ce que je ne veux plus.
Vous pouvez évidemment citer les choses que vous ne voulez plus. Je le remets avec gratitude au feu purificateur. Tout mon être divin et humain est de plus en plus conscient et prêt à accueillir le renouveau avec confiance. J'ai conscience qu'à partir de maintenant, l'amour guide mes pas à chaque instant. Merci à ma part supérieure, divinement divine. Merci à la ver meilleure version de moi-même. Merci l'univers, la source, en moi et autour de moi. Je vous invite à ressentir la gratitude de cette libération, de ce renouveau, de cette purification. Qui s'en vient pour vous. Et quand vous êtes prêt, prête, et bien vous allez pouvoir prendre votre feuille là, et vous allez plier le papier. Ah, c'est un petit peu flou. Voilà. Je suis toujours flou. Je vais me faire un hop là. Donc, tant pis. Vous allez pouvoir la plier en deux, en quatre. Ah, c'est pénible, ça. Peut-être un petit peu mieux, mais c'est pas non plus. Vous allez pouvoir lui mettre le feu, tout simplement. Donc, laissez-la bien prendre. Bon, vous ne brûlez pas, évidemment. Et puis ensuite, vous la posez dans votre récipient métallique, hein, quelque chose qui est sécuritaire, évidemment. Ah, le tac. Voilà. Voilà pour ce petit rituel qui est tout simple. Alors, je vais essayer de me recadrer encore. Voilà. Donc, c'est un rituel qui est tout simple que je vous invite à faire à partir d'aujourd'hui et encore pendant quelques jours après cette éclipse solaire donc, qui aura lieu demain, jeudi 20 à 6h17. Si vous êtes très connecté, ben, je vous invite évidemment à vous lever à 6h, à installer votre autel et à le refaire au moment exact. Moi, c'est ce que je vais faire au moment exact de cette éclipse. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour ce petit rituel. Je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, ben, je vais prendre vos questions, tout simplement, mais en dehors de l'enregistrement.